Salutations, Banamboka, vous êtes branchés connectés dans www.congodialogue.com. Moi, c'est José Bolo à l'international. De retour encore dans vos petits écrans. Pendant que Solana Binolisus, Makambo Italie, Makambo Yambo, Kanabiso RDC. Tu habites surtout la bonne année. Si réellement la RDC est une bonne année, s'il faut souhaiter Bantoa Congo, ma meilleurs vœux. Je ne sais pas si bah fait on est vraiment réellement bah meilleur. Tant au moment où il meurt à bord, donc ils ont pu s'en peu passer par moi. Alors, du moins, Anansi Kebanda qui déjà 2019 et Koti Biso, par la grâce de Dieu nous sommes en vie. Tous à reconnaissant dans un bas au pays Biso bon moi. Mais le passe de l'autre côté, tous en essayant parce que tous en envie, tous continuent à essayer. Ah finalement, l'élection tu connais Kanambo Kanabiso, élection très chaotique, élection moko un peu ridicule. Permettez-moi le terme maintenant, le bangar élection moko un peu ridicule, médiocre. Élection moko médiocre, vous savez quand même que c'est médiocre. Dans les jamais na histoire, il y a élection en Mboka, en Afrique, en monde entier. Tout le monde a peut-être vivre, peut-être expérimenter dans l'élection à Boété, au RDC et Sali, le 30 décembre. Bien sûr que c'est là qui est prévu l'élection le 23 décembre pour des raisons techniques, logistiques. C'est ni Zala qui est obligé reportant pendant 7 jours. Et finalement, 7 jours et Koka qui n'était pas la fin du monde. 7 jours et Salamaki, les 30 Batobakena qui n'a pas urne pour voter. Quoique, imperfection, ils allaient qui a Makassi, à Makassi Koleka, et puis trois provinces Mobimba, ils allaient qui cancellaient, ils allaient voter en 2000, je ne sais pas, en mars 2019, en mars, ils ont voté après trois mois. C'est ce que j'ai dit, ils allaient qui élection très médiocre. Dans l'histoire de l'élection dans le monde entier, Mobimba, ils allaient participer à Sony, ils ont accès à l'état d'esprit en Bokanab sur RDC, Ndenge, ils allaient lire. Pour le moment, tout ça, sur Sony, comme à chaque fois, on a bisauté. Ça, c'est l'espace de la réflexion, la connaissance, ces rencontres. Moi, c'est Josué Boloa, l'international, toujours prêt à vous servir. Joseph Sabino, qui n'est pas aboyé, tout le monde est élection médiocre. Finalement, quoi que salami, mais dans le monde entier, il y a des gens qui sont. Mais il y a des gens qui sont. Sur le plan logistique, il y a des gens qui sont. Il ne fallait pas être salama. Mais parce que le gouvernement en place, il y a des gens qui obligent ça, il y a des gens. Bien sûr que la population congolaise n'avait pas besoin de cela. D'un côté, opposant, entre guillemets, opposant, Tomoni Lamouka, Tomoni Kach, on est opposant majeur. On a un tout le monde a un papier, urne, on a un place pour voter. Mais Tomoni Kabatoumi, ça tout, Tomoni le président de la République, Joseph Kabila Kabange, il n'y a pas qu'il n'y a voté au niveau à Gombe, Tomoni Kipé, Félix Tshisekedi, il n'y a qu'il voté. Et quand on a même Gombe, on n'a pas fallu pas qu'il n'y a qu'il voté. Mais les restes, Kikeni, Chekomba, Banani, Banani, Noël, Banani, tout ça, Tomoni a un place pour voter à huis clos. C'est pour dire que impact na idéologie ça plus na entre guillemets trois personnages Joana disons même quatre personnages parce que Vital Kamerhe passe dans la Kati il y a Masolo Ango mais tout le monde place à voter bien sûr à ceux qui va voter ni nous tout à PC Ango na Félix Tshisekedi mana mboka bana Congo boza branché connecté na minute tout solo ba que internet est allé couper na mboka ya RDC pona nini mais ce Jean-Marie Kasamba PC ba raison lobby que na pona ko éviter résultat prématuré et puis qu'on soulever tension dans l'opinion publique c'est ni plutôt gouvernement et puis ministère il y a communication sur décision il y a quatre tables élection mais on a surtout là il y a quatre putain internet mais je pose la question internet c'est zakakate pour na kobimi c'est la kabiso ba dépouillement ba PV na kwembo na commune boye intel azo mais azo gagner na commune boye ton école boye faulu ton quartier moko boye ton province boye faulu na azo primé na province msusu Félix na azo primé na Félix na province msusu ezaka pona ngote après tout ezaka pona ngote internet ezaka pona makambe belé est-ce que le gouvernement peut prendre rendre compte que coupure il y a internet na mboka local la RDC grand pays les boulo munene. Ils ont manqué à gamer le gouvernement. Est-ce qu'ils ont tenu compte Nengo? Les gens sont connectés parce que c'est les a connectés à l'internet. Et puis fonctionner ça la plus à l'internet, dans la société belé, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez manqué à manque à gagner au gouvernement en place? Et lui un gamboua n'a peut-être donc ils s'en foutent de tout ça, ils s'en foutent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Hein? Mais la population, le peuple a mouké. Biso batotoza Libanda par exemple, communication ça chère. Moi, on se communique dans ma famille, dans Bissau, dans l'Afrique Afrique du Sud, dans le Porto, dans l'Europe, partout, dans les États-Unis. Et ça repart par WhatsApp, par Messenger, par Facebook. Si vous avez 4 Libanais, vous privez Bissau communication. Maintenant, nous ne savons pas est-ce que ma famille est malade ou pas malade. Ils ont une campagne PBL, Oyo, et fonctionne pas au travers Internet. Mais pour la caca, c'est ni à Pamba. Dans le Porto, il y a en Afrique du Sud, l'élection salami, il y a un résultat. Ou peut-être des jours.
Zimbabwe ba auto sale élection na bango eleki, n'est-ce pas? Quoi encore Kenya, ba Cameroun, ba mboke bel ba auto sale élection année passée to moni ba bêtise te quand même ba kata bel ba kata ba kuba sala coupure ya ba internet. Et puis le président enseignant le dit très bien que ba ko publier résultat par internet. Mais sur quoi internet on peut bokati. Donc comme n'a propriété privée ya ba to moko boy. Quelle médiocrité auto so traverser. Élection médiocre. Maintenant, les gens doivent vivre, économiser, c'est les marchés qui sont libres pendant une semaine, beaucoup privés en internet, de façon que, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème? Si tu es gagnant, tu es gagnant. Si tu es perdant, tu es perdant. Mais raisonnez-vous à Simanango, beaucoup de couper internet. Raisonnez-vous à Simanango. Les familles n'ont plus de contacts. Parce que c'est ni, et où ça là, et où ça là, dépouillement. Ça, c'est de la bêtise. Maintenant, moi, je me pose la question encore. Ça, c'est une analyse que moi, je fais. Je me pose la question. Félix Tshisekedi, par rapport à couper internet, Bolobini. Lamouka, Bolobini, si vous êtes réellement des opposants. Actualité, M. Zak, hier, Bakoutanaki na hôtel du fleuve, Bakoutani, blablabla, bon, avec une africaine, pour Nasuka na yango, bah, ebisibiso que non, on a vu Félix Tshisekedi sortant souriant là, babi bon, bon, juste pour balobake, accepter, résultat, urne. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je n'ai, ici, depuis que l'élection est élection, dans ces pays d'Afrique du Sud, on a jamais connu ça. C'est ça un pays démocratique. Mais c'est République Sud-Africa. République Sud-Africaine. Mais nous, c'est la République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas démocratique. C'est la République dictatoriale du Congo. Tout changer dans le Congo. Parce que ça, le bloc ami, que l'Internet, c'est comme un problème. C'est que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Bosobangani, soulèvement ou comment? Voilà. Ça, je me pose un peu tant de questions là-dessus. Batinde Lingali Soussou, message Moko Awa pour dire que non, il y a eu résultat qui s'est fait à huis clos. On dit quoi? Je vais lire ça pour vous. Au moment où les Congolais se patientent avant la publication des résultats des élections présidentielles, prévues officiellement le dimanche 6 janvier, mais curieusement, Kanembe Kabila improvise ce mercredi 2 janvier une passation de pouvoir en catimini à son défunt Chadari en présence de quelques amis du pouvoir. Chers amis, ne nous voulons pas la face, ne nous voilons pas la face, puisque, à mon avis, on s'achemine vers le chemin de la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous balancer les photos avec complicité dans la réalisation. Tomo Nyango, bon, on a peut-être ce nom de photo shoot, hein, mais ce qui est vrai, c'est que selon les sources qui sont au pays, ils nous signalent que d'abord, il y a possibilité que le Corné Nanga reporte la publication des résultats le 6. Il y a possibilité que le Corné Nanga reporte, Nanga reporte que le 23 comme il est 30, il y a possibilité que a reporté, au lieu comme ils ont le 6 et comme le 13. Dimanche, je suis à combien? Je vais vérifier un peu avec mon calendrier ici. Voilà, le 13. Si pas le 13, le 20. Quand j'ai dit que nous avons connu une élection un peu médiocre, un peu bizarre, déjà jamais vue, une grande partie de la population, il y a Congo, il y a RDC, il y a pays, ils ont reporté ça pour le mois de mars. Déjà jamais vu. Et ça, là, maintenant, noté. On n'a jamais vu à l'histoire des élections qu'on prend une grande partie de la population, une affaire, il y a 1 300 000 quelques électeurs, bah, ils vont voter en mars, pour voter parce que, bah, il y a moins de technique, je m'excuse, ils ont des problèmes logistiques. Maintenant, vous voulez publier les résultats le 6. Une grande partie n'ont pas voté pour voter le mois de mars après 3 mois. Ils vont voter quoi et qui? Ne soyons pas quand même deep, chers compatriotes. Tout ça quand même peut voiler après tout. Ne sommes pas quand même deep, ne sommes pas quand même dumb, comme on dit en anglais, don't be dumb. Are you dumb or are you free? Ne soyons pas quand même voilés. C'est vrai. Dans l'ensemble, le gouvernement a fait ce qu'il voulait, il a voulu faire. Il a organisé l'élection, quoi qu'il est médiocre, ils savent ça même quand même ça, quoi qu'il est médiocre. Mais une grande partie, 1 300 000, ça c'est de la bêtise. Ok, c'est fine, on a accepté ça. Même les opposants ont avalé ça, si réellement ils sont des opposants. Est-ce que vous avez réellement opposant? Tout ça, c'est un fanatisme à part. Bah, quand c'est internet, opposant, mon côté a déclaré. Bah, vous direz, nous, on a hôtel de fleuve, quelque chose comme ça, en catimine, avec Union africaine.
que quoi que l'Union africaine a dans un pays moussouté tel que Zimbabwe, coup d'état Salamaki, le président a eu général a eu charge, a dirigé Mboka pendant quelques mois basse l'élection Union Europe, Union africaine. Et Bendaki Bangote, pour même savoir que nous avons dit ma résultat. Ce n'est qu'un RDC. Voilà. Bakati Internet, pour poser Bovin à Binonia. Bovin à Binonia. Ok. Bovin à Bangonia. C'est très bizarre. Voilà. Et bien, ça passe. Bande de côté la mouka. Bande de côté la mouka réellement. Tout la mouka réellement. Soit une abîme, pendant un cadre à proposer en OP. Est-ce que vous posez un pénal à un bon cannabis? Maintenant, on nous dit que il y a possibilité que Corneille Nanga puisse reporter les élections, plutôt publication des élections, dans une ou deux semaines. Pourquoi? Là, on ne sait pas. Voilà ce que un téléspectateur m'a envoyé comme audio. Audio. Il est où? Chris Vanga de GT, salut là où tu es. Il m'a envoyé un audio à eux qui toujours bah rumeur que possibilité ça que voilà attends. Le fait qu'au monde garde internet Bakati Bango, c'est-à-dire Kabila, démocratie sur le pays de Mboté, Kabila Volumwati, Shadar Osala continuité na Ndenge Bayo, kana Ndenge Bayo Osala, parce que au monde Sikoyo, la preuve en est que Aza sur la mandat Sili, mais à Pesika va hors de Bakati internet. Internet est Katani, si dimanche, on peut faire un Shadar et dimanche. Quand on va Shadar et dimanche, tout le monde va faire un Shadar et dimanche, il lundi, na mardi et sili. Et aussi, la Bongo, va Panzi, tout le sili Shadar a prêté serment sous couvre-feu. Je suis un bandi, je bandi un bandit qui continue à combattre, je suis un continue à lutter, mon cher. Voilà, ça c'était un audio, un téléspectateur m'a envoyé pour me dire que Boloa, la population, la diaspora, va comprendre que moi, la raison au bakati internet, c'est que c'est ni et zoatan, il y a que ça, il y a que ça, le tricage, pour publier Shadari, président. Comme ça, bah, suivi à la terre, bah, des plumes, wana. Même les gens de l'UDPS, bah, Makele, bah, Zotchi, la Bissou, wana, bah, ils très bien. Ce qui est vrai, nos opposants savent très bien qui sera le prochain candidat. Ils savent très bien. Nos opposants savent très bien. La Mouka connaissent très bien. Fayoulou sait très bien. Félix Tshisekedi sait très bien. Je fais une interview avec Commandant Esso Banga très bien. Bana Congo, na minute, yo, quel que soit moyen de la vidéo, yo. Tout réfléchir ensemble. Si réellement des soi-disant opposants aiment la nation, ils doivent faire quelque chose. Est-ce que toi, Nathan, l'histoire s'est répétée encore? 2006, c'était la même chose. 2011, la même chose. Maintenant, tu as mis 2018. Bon, le basou que le peuple se prend en charge. Tu as une phrase ouana. Pendant que le pays se détériore, pendant que, à moins que Bolu ait intérêt à bino mon leader en rompé, quelque part. Quelque part, Bozul qui a intérêt. Je me rappelle présent qu'il est dans une interview. Alors qu'en réalité, il n'y a pas d'opposants au pays. Il n'y a pas d'opposants parce qu'il n'y a pas d'intérêt à Bango. Il n'y a pas d'intérêt à Bango parce que ça l'a protégé. Il y a sa famille, il y a un boum, mais la population, ça n'y est pas. Et il y a toujours la médiocrité. Toujours nous allons contre la poubelle partout, la maladie. Qui est dans le Congo, sentir solo, qui est dans l'aéroport en Djili. Ici, dans une interview présent qu'il est dans le niveau de Djobou, il n'y a pas d'opposants. Et puis le pays n'avait pas besoin des élections. Bon, on a la bino. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de temps. Si on a un peu réfléchir on a très bien. C'est comme si la RDC, c'est comme un sopiste. C'est comme les traîtres de chez nous. Hein? RDC, ça aura traître de chez nous. Mettez en scène Joseph Kabila avec son gouvernement. Bah, acteur. Hein? Bah, Ngadia Dia, bah, Masoumou de Brende, bah, Nanez Aloura, bah, Félix Tshisekedi, bah, Fayoulou, tout ça, bah, on tout, tout ça, tout ça, tout ça. Ce que vous mettez en scène, vous jouez dans bah, tout. Intérêt, Zanini. Il y a Bango Moko. La population n'est pas là. La population n'est pas là. Et nos amis, nos Congolais, chaque ami, tellement toi fanatique. Papa, toi, tu as un fanatisme, tes chers compatriotes, tu as un fanatisme. Tu as un intérêt à l'amour de Libanda. Tu as un poste qui est un peu plus grand, tu as restauré, tu as rétabli un peu plus grand. Il y a un peu plus grand. N'est-ce pas? Tu as le pays. 32 ans avec Mobutu, Libanda. 21 ans avec Joseph Kabila. Disons même 21 ans. Ceux qui 18 ans, soit 19 ans, soit 20 ans. Le pays s'est détérioré encore. Alors, pendant 18 ans, 19 ans, le gouvernement n'a pas pu réaliser ce que le peuple, la population s'attendait de lui. Et vous pensez que ce pays, si sous mandat, il y a 50 ou 10 ans, pour réaliser Makamba bien? Les opposants, entre guillemets, les opposants,
que dites-vous? Prenez des armes. Prenez des armes. Pour moi, c'est un peu aussi mon douki, Bobundisi. Parce que l'élection salami, entre guillemets, élection, s'il faut appeler ça élection, élection médiocre, et salami nango, mais dans la condition, moi, comment? Raisonnini, nous avons pour ça que nous partageons ensemble. Raisonnini, c'est ni ton gouvernement, ni ton ministère, ni ton ministère, Internet. Internet, il y a Pamba. Et puis, nous avons la population, nous avons unité, nous avons mégaté, nous avons somba. La société travaille avec Internet. Ce que nous avons manque à gagner. Mais pendant ce temps ici, nous avons un wifi, nous avons un opposant, nous avons un wifi, nous avons un mission, nous avons un tour sur Internet, nous avons un tour sur Internet, nous avons un tour très bien. Bazana ba wifi na bona bandaku. Bazana ba internet na bona ba palé. Mais population pauvre population, ba misu ba dépendra libanda Europe na ba poto. Mais baza sou ba connexion zate. Souffrance à makasi. Bande ko nanga le temps est arrivé que nous puissions réellement passer en action comme ses compatriotes ici. Alors bi souci après il y a gouvernement en place, ba na posa batika pouvoir té, ils n'ont même pas souci de laisser le pouvoir. S'ils n'ont pas souci de laisser le pouvoir, fixer quand même le pays. Bon samboka. Bon samboka. Ce que bolal s'absoti wapi. À suivre. Retenez ceci. Il y a plus de possibilités qu'on puisse reporter la publication des élections, plutôt des résultats. Il y a plus de possibilités, même si c'est annoncé, il y a plus de possibilités que Chadari prenne le dessus et Tshisekedi pourrait être le deuxième. Et après cela, ton serment que Salama Bagobena Fati, tu sais que derrière à la première ministre, parce que tu sais que des arts à présent c'était. La Mouka, parce que danger Zanin, Chadari Soka Leki, va poser en bas Libanda, va tiga Libanda, entre guillemets. Chadari Soka Leki, n'est-ce pas? Tu sais que des Soka Leki, réfléchissons, tu sais que des Soka Leki, Joseph Kabila pourrait ne pas être sécurisé. Tu sais que d'ici passé président, d'office, Lamouka Fayoulou, soutenu par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, ils n'auront plus peut-être la chance de rentrer au pays. De la même manière, aussi si Chadari passait, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Tokobo Sanaka Bango, Bokota RDCT, Botika Lagan Exil Kuna, Bachagaba Makele Nabango. Fayoulou, s'il passait, ces deux gens-là, ils vont rentrer. Joseph Kabila serait en danger. Calcule les années, moi. À suivre. Moi, c'est Joseph Bola. Si vous avez des commentaires à faire, faisons-le. Réfléchissons ensemble. Encore une fois, meilleur vœu. Maman Francine, elle est dans la Belgique. Elle est méritée en coordinatrice. Il y a Congo Dialogue. Vous abonnez, continuez de réfléchir ensemble. Merci, bye.